Bonjour mesdames et messieurs, je remercie les organisateurs de m'avoir sollicité pour continuer à donner un peu de vie à cette exposition, parce que la grande frustration de l'exposition, c'est qu'elles sont évidemment limitées dans le temps. L'exposition dont il s'agit a eu lieu entre octobre 2021 et janvier 2022. Elle s'inscrivait dans les célébrations de la mort de Napoléon Ier. Qui avait été orchestrée par la Fondation Napoléon et qui regroupait beaucoup de différentes institutions, notamment le Château de Waterloo, le Château de Compiègne, les Archives nationales, etc. Donc, très rapidement, s'est posée la question pour l'institution Mobilier National de la manière d'être présente dans ces célébrations sans entrer en concurrence avec nos collègues des autres institutions. Et nous avons choisi de valoriser une partie de notre fonds patrimonial, donc le Premier Empire évidemment, sans évoquer les présidents qui elles-mêmes faisaient déjà des manifestations comme à nouveau Compiègne. Donc nous sommes rabattus sur les palais qui se trouvent aujourd'hui, le palais de Saint-Cloud, le palais des Tuileries et le palais de que le mobilier national concerne encore énormément de meubles, de textiles d'ameublement, de planches d'ameublement. C'est exactement réalisé pour Napoléon et même pour Napoléon Bonaparte avant qu'il devienne empereur sous le consulat. Alors, l'exposition de Napoléon est évidemment un travail collectif. En tant que représentant du mobilier national, mais c'est vraiment toute une équipe qui s'est trouvée dans l'aventure. Le commissaire général de l'exposition était Thierry Sarment, à l'époque directeur des collections, et le commissariat scientifique a été assuré par mes collègues Jean-Jacques Gauthier, Maud Denis, Emmanuel Fuller-Pile et moi-même. Et nous étions aidés dans l'aventure, vraiment aidés dans l'aventure, par Elisabeth Claude, qui à l'époque était encore conservatrice au château de Versailles et qui aujourd'hui dirige le château de Malmaison. La partie régie des œuvres, documentation, etc. a été assurée par les services de l'Union nationale. Alors, je vous propose assez rapidement d'évoquer une architecture disparue aujourd'hui. Du néant, de balayer rapidement la sélection des œuvres pour que vous compreniez les choix muséographiques que nous avons faits. De rentrer dans le sujet, on va évoquer la muséographie et voir comment nous avons la médiation de toutes les structures. Alors, le postulat de départ, nous sommes face à trois palais des Tuileries, Saint-Cloud et Meudon, qui ont disparu en 1878, à la fois au cours de la guerre franco-prussienne d'autres. Des palais qui ne sont plus connus aujourd'hui que par les archives, majoritairement au mobilier national pour le jour mais aussi national. Donc des matériaux assez arides, donc il n'est pas question de présenter de manière brute. Comment étaient les aménagements faits pour l'enlever. Une petite photo de l'inventaire du palais des Tuileries en 1807. C'est l'inventaire type garde-meubles de la couronne, avec des colonnes entrées pour les meubles qui meubles ou objets qui sont une colonne sortie pour leur mise en place dans les différents palais. Les autres sources sont les sources iconographiques, notamment picturales, à titre d'exemple de ce côté de qui est conservé au château de Versailles et de Trianon que nous avons pu trouver dans l'exposition. On voit très bien la salle du trône telle qu'elle avait été aménagée par Napoléon Ier. On retrouve l'architecture datant du règne de 14, avec ses décors, ce plafond en question. Les tapisseries sont des tapisseries à la manufacture des Gobelins sous Louis XV, la conquête de l'histoire de terre. Et nous voyons là donc le trône qui a été aménagé par les architectes Percy et Plantel, qui avec ce trône dessiné par Percy et caractérisé par ce beau circulaire et réalisé par l'américain Jacob Desmalter. Une partie des textiles que vous voyez à l'arrière-plan ont été tissés par la maison Camille Pernon à Lyon en 1806 et nous en conservons quelques fragments.
rarement dans les réserves. Autre exemple, ici, la chambre de Marie-Louise au Palais des Tuileries, qui est en collection particulière et qui ne l'avions pas dans l'exposition, mais qui donne aussi de nombreux éléments d'indication quant au décor fixe, donc lambris, plafond, etc., et au décor mobile, donc soierie et tapis, mobilier, bronze doré, etc. Autre source, les récits contemporains. Je ne rentre pas dans le détail, mais les secrétaires de Napoléon Ier ont laissé de nombreuses écrits dans leur mémoire. Le voyage de Miss Mary, une Anglaise, du palais des Tuileries, lors de sa visite sous le consulat en 1802. Ces différents récits permettent de compléter les sources brutes d'archives qui sont de la gestion administrative et les éléments d'iconographie. Et finalement, les biens qui nous sont parvenus sont à eux seuls aussi des sources. On constate que dès l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte sous le consulat, il fait notamment dans les réserves du Gardon pour les premiers aménagements. Il s'agit d'Alévis. Et donc, les premiers aménagements réunissent des pièces qui ont été régées. L'histoire d'Alexandre le Grand, qui pour les garçons de Châteauvieux, et qui se trouvait dans le premier salon du palais des Tuileries. La grande difficulté pour nous face à ce sujet, c'est que les aménagements ont énormément changé en cette période très courte de 1802 à 1814. À titre d'exemple, le de l'entrée au palais des Tuileries a connu plusieurs étapes. Là, vous voyez un fauteuil qui a été validé pour ce grand cabinet de l'empereur, une maison Jacob Delmotter et sculptée par le sculpteur Jean-Baptiste Courant, avec un tissu de Camille Pernon, datant de 1802. Pour le tissage d'origine, il a été validé. Le grand cabinet d'emploi au palais des Tuileries en 1817. Il n'y est déjà plus en 1812, puisqu'on propose un nouvel ameublement. Donc, une des questions que nous sommes posées dans le cadre de la préparation de l'exposition, c'est quel état montrer aux visiteurs l'état consulat, l'état début de l'Empire ou l'état Empire triomphant d'après 1812. Donc évidemment, nous avons dû faire des choses parce que l'espace qui nous était imparti, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, c'est la galerie des Gobelins qui est notre espace d'exposition, donc le long de l'avenue des Gobelins, une grande galerie à deux niveaux, issue pour accrocher les tapisseries, donc avec un espace assez confortable, mais néanmoins assez limité dans le volume, pour évoquer trois palais antiques. Donc, nous n'avons pas choisi d'évoquer la version de 1802 du grand cabinet de l'empereur, mais plutôt de 1802. Et je fais une petite parenthèse pour vous montrer encore la difficulté du groupe, notamment en termes de médiation de la République. Ce fauteuil a été réalisé en 1807, mais le tissage de Camille Pernon a fait partie d'une commande passée en 1802 pour le château de Saint-Cloud, et jamais posé à Saint-Cloud. Donc voilà, c'est. Et on file avec pour tenter de proposer l'explication de ce qu'est un ameublement officiel sous le Premier Empire avec des tenants pragmatiques et des objectifs politiques et de façon. Voici un autre exemple qui est conservé au château de Malmaison, qui était une commode de mention réalisée, offerte par l'empereur. À l'empereur par la ville de Paris, initialement placé dans son cabinet de toilette au palais des Tuileries et finalement employé dans le cabinet de toilette de Joséphine au palais des Tuileries avant de finir au grand final. Mais à chaque fois avec des meubles très longues et à rebondissements pour lesquels il est nécessaire de donner une explication aux visiteurs. Le meuble n'est pas dans l'exposition, mais on fait partie des objets cités au catalogue. Et donc, nous nous trouvions face à différentes contraintes. Donc, des palais qui n'existent plus sont complètement absents de l'imaginaire des visiteurs. Autant parler de Versailles
évoque des choses à nos contemporains, puisqu'ils peuvent y aller. Le volume existe, la chorégraphie est connue, même si elle n'est pas complètement maîtrisée, pris dans l'imaginaire collectif. Donc, comment évoquer une architecture qui n'est plus du tout perceptible dans l'espace urbain par le visiteur qui vient voir l'exposition? Comment présenter les décors qui sont particulièrement complexes? C'est le cas pour les trois résidences, Saint-Cloud, Chély et Meudon. Ce sont tous des palais qui ont été construits au XVIe ou XVIIe siècle et réorganisés sous les différents règnes successifs, avec des ajouts, des suppressions, des distributions qui sont remaniées à chaque règne. Comment tenter de rendre cette superposition de strates? Et surtout, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué, quel état de l'ameublement du consulat et de l'empire retenir? Donc, nous trouvons en fait un apparat global et textile qui est à jamais disparu, qui est à disparu plus pour le domaine que l'on connaît. Les décors textiles étant extrêmement fragiles, ils sont complètement disparus soit face à l'usage, au démontage comme montage, soit à la lumière, au mythe. C'est un appareil textile qui est très compliqué de mettre en avant et qui contribuait grandement à l'ameublement sous l'Empire. Et puis évidemment, nous avions de grandes contraintes matérielles et techniques du XXIe siècle que nous connaissons tous dans les montages d'exposition. Un aménagement électrique qui est des questions de flux en pleine période de Covid. Alors, comment avons-nous sélectionné les œuvres? D'abord, nous voulions mettre en avant les collections propres du mobilier national, qui sont assez méconnues. Donc, nous avons retenu majoritairement des pièces de cette époque et de ce fonds. Voilà un fauteuil d'un ensemble livré sous le directoire, sous le palais du Luxembourg, puis réutilisé sous le consulat dans le second salon de Napoléon Bonaparte au palais des Tuileries, et envoyé ensuite au château de Fontainebleau, puis au palais des Élysées en 1965. C'était aussi une manière pour nous de montrer la continuité de la mission d'ameublement du mobilier, anciennement garde-meuble de la cour. Voici un autre exemple de fauteuil, le patron de l'île, dans le sujet muséographie. Nous avons la chance d'avoir le plus beau fonds de textile en dans les collections publiques nationales, et notamment dans tous les tissages de canicaire réalisés pour le palais de Saint-Cloud et dispersés ensuite dans différentes résidences. Il y a un tout petit exemple, c'est un fragment de 20 cm à peine qui a été réalisé pour le boudoir de l'impératrice au Chély et qui est le seul élément de cet ensemble qui était commandé par Bachet, qui était un marchand textile pour conserver Nous avons également une très belle collection de bouts dorés, parmi lesquels cette pendule de la chambre de l'impératrice au palais des Tuileries. L'exposition a été aussi l'occasion de redécouvert, c'est le cas de ces deux candélabres dont nous connaissions, nous avons perdu en fait la provenance et qui ont été retrouvés dans les documents d'archives comme étant la chambre à coucher de l'impératrice. Donc, tout cela nous amène à une muséographie qui a pris place dans la galerie des Gobelins. Ensuite, un appel d'offres a été le plus main. Il y a des expositions à la cité de l'architecture. Lucie Carnavalet, il y avait Napoléon et Paris. C'est quelqu'un qui a un rapport à l'architecture. Et pour évoquer ces architectures disparues, il semblait essentiel de revenir quelqu'un qui était lui-même un architecte et qui pouvait rendre ses volumes perdus. Donc voici les deux plans de la galerie, le rez-de-chaussée en particulier, c'est au premier étage. Le parcours est à la fois chronologique et thématique en quelque sorte. Nous commencions l'exposition par une composition un peu plus petite, donc le palais
les dix palais dans les flammes. Donc, il faut avoir ce cas de départ de destruction en 1870. Puis, nous avons une petite évocation des aménagements du début du consulat avec la récupération du musée d'Ancien Régime. Un petit espace qui permettait d'évoquer les différents architectes, artistes, artisans dont les noms allaient figurer tout au long de l'exposition. Et enfin, nous avons tiré parti de l'architecture très présente de la galerie elle-même, qui est structurée par des colonnes et des grands volumes. Donc, avec au centre une grande pièce qui évoquait d'un côté le palais de et de l'autre le palais des Tuileries avec les aménagements faits pour Napoléon. Bonaparte, on a vraiment le consulat. Et enfin, une sorte de focus sur le grand salon de Joséphine à Saint-Cloud, qui concernait une pièce, quelques aménagements pour Joséphine, et l'escalier qui venait ensuite était en quelque sorte la structure entre la fin du consulat, le début de l'Empire, et surtout la mise en place d'une étiquette de cour qui impose une certaine manière de meubler les appartements. Il y a vraiment des choses très strictes qui sont indiquées en fait pour le type. Telle, ce qu'on verra. Il y a les tapisseries des Gobelins, par exemple, ce n'est que dans le monde des empereurs et les salons de réception. Les soirées de mer, et l'empereur est marqué. Et plus on descend dans la hiérarchie, plus on descend également dans la qualité des étoiles ou des biens utilisés. On se retrouve sous les combles avec des toiles entourées, toiles de lin notamment. Et donc à l'étage, nous avons plutôt orienté le discours en vers cet empire triomphant, pour prendre les termes de Jean-Pierre Saint-Malo, qui affirme sa puissance après 1808 notamment. Ici, le salon carré, qu'on appelle le salon carré chez nous, qui est ce petit espace en retrait de la galerie, donc, dédié aux aménagements réalisés pour Marie-Louise, la seconde impératrice. La galerie elle-même, elle est assurée par la reconstitution du grand cabinet de l'empereur au palais des Tuileries, dans sa version imaginée en 1812 et finalement réellement achevée en 1814, peu avant la chute de l'Empire. Un petit point sur le roi de Rome et les aménagements faits au palais des Tuileries pour le roi de Rome. Le centre de la galerie revenait sur les problématiques de cour et les aménagements dans les grands palais pour une cour, donc on insistait sur les parcs de la cour. C'est ici qu'était présenté le tableau de Bibeau montrant la salle du trône de Napoléon Tuileries. Un petit point sur la place de Rochefoucauld dans ces palais, avec une évocation de la chapelle des Tuileries. Et nous terminons avec un nœudon. Le don est le centre de l'exposition, c'est un palais qui a été assez peu depuis la monographie de Biver en 1923, il n'y a plus vraiment une publication sur le palais de Meudon. Or, le mobilier est en grande partie conservé dans le monde des arts. Bon, je vous ai mis le détail. Voilà la salle d'ouverture où on avait un grand plan de la région, une grande carte de la région parisienne pour localiser les différents palais, des photos de destruction. Ici, celle de la grande qui évoquait à la fois le palais de Saint-Cloud, côté cour, et le palais des Tuileries côté rue, donc avec ces grandes colonnes qui font vraiment partie de l'architecture de la galerie des Gobelins et dont Philippe Humain a su jouer pour donner l'impression que nous entrions dans ces deux palais. Et surtout, Philippe Humain a recréé au rez-de-chaussée et à l'étage une forme de distinction de palais avec ces deux portes latérales qui donnent l'impression d'une enfilade, comme l'enfilade qui existait dans les grands appartements des Tuileries, par exemple. Voici l'évocation, je ne parle pas de période romaine de l'histoire, parce qu'on n'est pas exactement dans les pièces, mais plus d'évocation. Donc, l'évocation du grand cabinet de l'empereur, version 1812, donc telle qu'imaginée par Percier Fontaine et Jacques-Louis David, avec la contribution des ateliers du mobilier national, puisque certains éléments ont été évoqués par des confections des ateliers. C'est le cas de la table du Conseil, qui reprend les dimensions que nous avons dans les documents d'archives. C'est une table qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc l'atelier de tapisserie d'ameublement a recréé, là aussi en reprenant les documents de comptabilité des archives, la nappe en velours de verre et la
calotte en feutre de laine par-dessus. Tout le reste, donc, c'est vraiment du mobilier créé pour cette pièce. Les tapisseries sont évoquées par les cartes peintes, les tapisseries pour lesquelles de l'enfant circuler lors de la commune, non pas au palais des Tuileries, mais à la ville des Copains qui a aussi subi les dommages pendant la. Voici l'évocation de la salle du trône. Ça peut paraître un petit peu maigre, mais c'est pas une solution que vous avez trouvée avec une trade conçue donc, par l'agence Gamma qui était l'agence de fabrication de la scénographie sur les plans de Philippe Humain, qui s'inspire évidemment du tableau de Boubeau et de l'aquarelle que nous avons fait agrandir à l'arrière-plan et qui est en original et conservé au musée des arts décoratifs, donc qui permettait d'évoquer le dais avec les colonnes et le trône qui sont bien les éléments qui se trouvaient dans la salle du trône sous Napoléon. Voici donc l'évocation faite du grand talent de Joséphine au palais de Saint-Cloud, donc elle revient au rez-de-chaussée, qui était décrit donc, comme étant tendue de taffetas bleu au mur, mis la peinture bleue. En revanche, la réception de la croisée est aussi une confection de notre projet de tapisserie décor, en s'inspirant à la fois de la description que nous avions dans l'inventaire du palais des Tuileries, mais aussi en s'inspirant de la maison de l'aile, on a tous ces éléments, toute une série d'éléments de décor, d'ameublement à la mode sous le consulat et l'Empire. Et voici l'espace dédié au salon de au palais de Meudon qui. Donc pour le coup, est plus un ensemble dont le but est de présenter la liberté que l'on pouvait avoir que le décor a acquis finalement au palais de Meudon, puisque le palais de Meudon avait été conçu d'abord pour Madame Mère, Laetitia Bonaparte, et finalement, c'est le roi de Rome qui en devient la prestataire, donc un palais qui est destiné aux enfants de France pour éduquer l'antiquité. Et également tous les nouveaux pénètres à la campagne de jeunes enfants. On ne retrouve pas l'étiquette qui est au palais des Tuileries de Saint-Cloud, avec du mobilier qui est mobilisé dans la résumé dans des bois antichelles, au blocus international qui permet d'importer les bois exotiques. On trouve aussi des sièges qui sont au pain, alors qu'aux Tuileries et à Saint-Cloud, des sièges dorés. Et en termes de tissage, les livraisons faites par l'Agosta ou par la maison du Sardon, tout ça, et Bonny, ont une très grande originalité avec des motifs floraux, des papillons, que l'on n'a pas forcément dans les deux autres palettes qui jouent un rôle politique beaucoup plus important. Donc voilà, je vous montre un petit peu les propositions de Philippe Humain. Qui avait vraiment insisté sur les couleurs, et là c'était aussi à notre demande, on voulait chercher l'idée que le public se fait habituellement des couleurs de l'Empire, qu'on a tendance à imaginer en ultramoisi et en vert peint. En réalité, les couleurs étaient beaucoup riches et variées, très audacieux. Nous avons retenu les couleurs des soirées qui sont conservées dans notre collection. L'Empire a été. Définie à partir des soirées, notamment ce jaune bouton d'or et ce bouton des soirées qui a été tenté pour Marie-Louise au travail des Tuileries. Voilà, on avait ici à l'écran une bordure de tenture pour le premier salon de l'impératrice des Tuileries. Pour les teintes rouges, nous sommes allés vers le rouge, qui est un rouge très à la mode sous l'Empire. Le ponceau, c'est comme un coquelicot que vous voyez ici. Et tout ça, donc il faut l'expliquer aux visiteurs. Donc évidemment, les plans nous sont parus incontournables. Dans chaque étape, le plan du palais concerné était figuré au mur. Donc des grands généraux comme celui-ci. Nous avions des plans un peu plus détaillés qui indiquaient de quelle salle il s'agissait pour que le visiteur se perde. Voilà, par exemple, dans l'espace où on parlait de l'appartement de Joséphine, toute la zone de l'appartement de Joséphine était grisée. Donc,
dans l'espace dédié au second salon du premier consul, on repère bien où se trouve le second salon dans une partie de l'aile du palais des Tuileries. Et alors, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais nous avons tenté de compléter ces différents temps par des emblèmes qui étaient utilisés sous l'Empire pour aider le visiteur à savoir dans quel palais il entrait à chaque fois. Et pour les Tuileries, nous avons choisi d'associer l'aigle impérial, que vous voyez à l'écran. Aussi, c'est un motif qui a été repris de textile et qui a été retravaillé par la graphiste. Pour Saint-Cloud, c'est l'aigle et pour le bâton, le papier. Et nous avons eu la chance par ailleurs de travailler avec Philippe Pareux qui nous a réalisé des restitutions 3D où des écrans étaient placés à différents espaces de l'exposition. À l'entrée, nous avions un écran qui montrait l'architecture des différents palais. Donc là, je vous ai montré, je vous montre celle qu'il a créée pour le palais des Tuileries avec cette façade côté jardin. Et dans chaque espace, notamment dans là, l'espace consacré aux sous-traitants du premier consul au cours des Tuileries, il a complètement reconstitué les conditions immédiates, la pierre à partir des éléments qui nous sont parvenus, qu'on ne pouvait évidemment pas tous exposer en même temps. L'intégralité de la peinture de l'histoire d'Alexandre II, les fauteuils créés pour le prédicat, le tapis de la Savonie qui est dans cet espace. C'est une autre vue de ce salon et fenêtres et les multimédias tournent une forme de vidéo sur les écrans et ils sont toujours accessibles à la lèvre que pour les YouTube et donc vraiment tourner dans les pièces et circuler dans l'intégralité des panneaux. Voici la vue de la salle du trône de Napoléon. Au palais des Tuileries, toujours, avec l'intégralité des siècles. De tous les montrer dans la vidéo permettait de comprendre l'ampleur des aménagements réalisés pour une vie de. Avec la très belle cheminée de Percier à l'arrière. Et donc, évidemment, l'exposition est accompagnée d'un qui est beaucoup plus exhaustif que l'exposition elle-même, donc qui rentre vraiment dans le détail de tous les ameublements qui ont vraiment été conçus comme un complément de l'exposition qui ne pouvait que survoler et donner des grandes lignes de ces aménagements. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vivre l'expérience immersive de ces palais en suivant celui-là. De cette vidéo, sur le lien qui est en dessous. Je vous remercie de votre attention.